Et là, dans un immeuble coincé entre deux blocs, se trouve l'IRTS, l'Institut Régional du Travail Social. Et j'y arrive pour commencer ma formation d'assistante sociale. Ah oui, mais il ne faut pas que je commence par là. Non, il faut que je vous dise d'où je viens. Alors moi, je viens de Saint-Maurice. Pas les Maurice, hein. Saint-Maurice. C'est un tout petit village entre le deuxième et le troisième plateau du Jura, du massif jurassien. Un village de 200 âmes où il y a des paysans, des bûcherons. Et dans ce village, donc moi je suis issue d'une famille, je suis l'aînée de trois enfants. Et dans cette famille, donc il y a mon papa. Alors mon papa, c'est un gars pas très grand, avec les mains du menuisier, les mains qui sont travaillées par le travail. Un gros bouc, un regard bleu océan. Et mon papa, il est artisan, menuisier, ébéniste. C'est le fils d'une famille de six enfants, d'immigrés italiens, d'une famille de maçons. Mon papa, c'est le fils qui n'a pas suivi ce que son père avait décidé pour lui. Et donc mon père, c'est un taiseux. Mais alors c'est un taiseux bosseur. Quand j'étais gamine, mon père, je l'ai toujours entendu dire, le travail passe avant tout. Partir en vacances, non, on verra ça plus tard, on verra ça à la retraite, quoi. Fabriquer le meuble de cuisine que ma mère lui demandait depuis son mariage, on verra ça plus tard, le travail passe avant tout. Et alors c'était le travail qui passait avant tout et c'était le beau travail. J'ai des souvenirs de mon père qui passait des heures à côté des escaliers qu'il avait à fabriquer, à imaginer du coup le meuble qu'il allait fabriquer d'un client qui lui avait demandé. Et il était reconnu dans le village pour ça, pour ce beau travail qu'il faisait. Alors mon père, c'était un taiseux, mais alors un taiseux rêveur. Ou quand, au moment du casse-croûte, à la pause du matin, quand il remontait de l'atelier, c'était avec Rahan, c'était avec les romans fantastiques ou les romans historiques qui s'évadaient. Chez moi, quand j'étais gamine, il n'y avait pas beaucoup d'argent. Par contre, il y a eu toujours beaucoup de livres. Et alors mon père c'était un taiseux, mais alors un taiseux engagé. Quand il revenait de réunion de conseil municipal où il racontait sa dernière prise de bec avec le maire ou avec l'adjoint, j'ai souvenir qu'il ne fallait pas venir le chatouiller. Ou alors ce papa engagé, c'était aussi quand dans la famille du côté de ma maman, c'était une famille de paysans. Et donc au repas de famille, il y avait d'un côté de la table le pépé entouré de ses quatre gendres. À l'autre bout de la table, la mémé entourée de ses quatre filles. Alors la mémé, les filles qui se levaient, qui allaient chercher les plats, qui les ramenaient et tout ça. Et moi, quand j'étais assez grande pour venir à la table des grands, j'étais au milieu de tout ce monde-là. Et j'observais. Et dans tout repas de famille, il y a toujours un moment où on va parler politique. Et alors là, quand je voyais mon père, qui avait applaudi à l'élection de Mitterrand, qui se retrouvait face à mon pépé, fidèle gaulliste, entouré de ses gendres paysans plutôt de droite, le ton montait, bah jusqu'à ce que la mémé sorte une bonne bouteille de derrière les fagots pour apaiser tout ça. Et donc dans cette famille-là, du côté de ma maman, cette famille de paysans, donc ma maman, c'est une femme généreuse. Ma maman, après son bac, bah déjà elle a aidé ses parents à la ferme, et puis après elle a travaillé comme ouvrière en lunetterie. Elle a ensuite été femme d'artisan, a aidé mon père à l'atelier de menuiserie, et puis elle est devenue assistante familiale, famille d'accueil. Elle a accueilli des enfants placés par l'aide sociale à l'enfance. Elle a fait ça pendant 20 ans, jusqu'à l'année dernière. Et alors, avec cette maman, dans cette maison de mon enfance, moi j'ai des souvenirs d'une maison qui était toujours remplie de gamins. Où j'ai des souvenirs de goûter gargantuesque, où il y avait des mômes, il y avait les cousins qui étaient là, les enfants dont les parents bossaient à l'extérieur du village, tout le monde se réunissait là, ça braillait dans tous les sens, et il y avait beaucoup de vie. Bah, jusqu'à ce que cette maman, elle en fasse son métier. À accueillir chez nous des enfants qui a bossé par la vie. Et avec cette maman, c'est vraiment le souci du bien-être d'autrui qu'elle incarnait pour moi. Le souci du bien-être d'autrui, des fois, quelquefois au détriment du sien. C'est ça qu'elle me transmet.
Et de cette enfance, moi j'en garde un souvenir d'une vie dure où il n'y avait pas beaucoup d'argent, mais alors qui était empreinte de belles valeurs. J'en ai des souvenirs de cabane dans les noisetiers, d'une enfance assez dorée. Et il arrive le jour où j'ai eu mon bac, qui clôtura un peu cette enfance-là. Et là, mon père m'appelle dans la cuisine. Il est adossé contre le buffet de la cuisine. Et il m'appelle, il a les larmes aux yeux, et il me tend un billet de 100 francs. Et là, il me dit, tu sais, on est fiers de toi. Nous, on n'a pas pu faire les études qu'on pouvait. Moi, quand... je ne voulais pas faire ce que mon père voulait que... Je ne voulais pas faire comptable comme mon père me destinait à faire. Du coup, je suis partie en apprentissage, en charpente, et j'ai commencé à travailler jeune. Ta mère, elle aurait voulu être éduque, mais après son bac, le pépé, il a eu son accident de moto, il a fallu qu'elle reste à la ferme pour aider à la ferme. Toi, tu as cette chance. Et on va tout faire pour te payer les études que tu mérites. Alors, quelques années plus tard, en fait, j'ai compris que là, j'avais une sacrée mission confiée par mes parents, c'était celle de grimper dans l'ascenseur social. Donc, c'est en ça qu'après le bac, venant de Saint-Maurice, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Alors, je m'inscris à la fac de droit de Besançon, je m'inscris à un DEUC, connaissance du monde contemporain. C'était un DEUC où il y avait du droit, de l'économie, enfin des trucs où je me suis dit, en fait, ça, voilà, j'ai compris ce qui me manque, moi. C'est de la culture générale pour grimper l'ascenseur social. Donc je rentre avec cette idée de, voilà, là, je vais aller engranger de la culture générale, quoi, pour monter l'ascenseur. Alors, sauf que quand j'arrive dans ces immenses amphis à la fac de Besançon, où je me retrouve juste perdue dans ces amphis où je suis entourée de fils d'avocats, de médecins, et où je sens que la mentalité, en fait, c'est du chacun pour soi. Je me rends compte très vite que, j'ai juste l'impression de ne pas être à ma place, quoi. Et je me dis, mais je ne vais pas faire payer des études à mes parents pour la culture générale. Non, moi, il y a un moment, il faut que j'ai un métier rapidement et un métier qui soit utile. Et c'est là que donc j'entre à l'IRTS, on arrive à l'Institut Régional de Travail Social et je commence la formation d'assistante sociale. Alors quand j'arrive dans cet endroit-là, je me retrouve entourée de gens de tous les âges, des gens plutôt cool, des bons fêtards, et puis des gens qui ont déjà un parcours d'engagement dans le travail ou militant assez affirmé. Quand j'arrive dans ce monde-là, je me dis, là, je sens que je vais être à ma place. Alors, c'est un monde qui me donne envie, même si je ne me sens pas très à l'aise, parce que moi, je débarque de Saint-Maurice, j'ai 19 ans. Je me dis, moi, je n'ai pas vécu d'expérience originale, je n'ai pas le bagout de certains, donc ça donne envie, mais bon. Mais je me dis, ouais, quand même, j'y vais. Quoi. Et là, il y a Martine. Qui arrive. Martine, c'est la responsable de la filière assistante sociale dans cet organisme de formation. Alors Martine, c'est l'archétype de l'assistante sociale. Hein. Les petits souliers vernis, la jupe droite sous le genou, le chemisier col Claudine, un regard franc et le regard doux. Et Martine, elle dit, alors, ce que nous allons travailler aujourd'hui, ce sont en fait les règles de métier de l'assistante sociale, qui sont régis par le code de déontologie des assistants de services sociaux. Ce code de déontologie, il a été écrit par l'Association nationale des assistantes sociales en 1945. C'est vraiment le code qui va déterminer quelles sont vos missions, quel est votre métier. Ou l'assistant social, il est au service de la personne humaine dans la société. Son intervention, elle vise à l'autonomie et à l'épanouissement des personnes et des groupes. L'intervention de l'assistance sociale, elle vise au développement des potentialités de chacun en le rendant acteur de son propre changement. Et elle vise enfin à l'adaptation réciproque entre l'individu et la société. Et c'est par le développement social local que l'assistance sociale, il concourt à toute action susceptible de prévenir les difficultés sociales et améliorer les conditions de vie des personnes. Et pour remplir cette mission-là, ce code, il va déterminer les devoirs auxquels vous serez tenu en tant qu'assistant de service social. L'article 1er, il pose le devoir du respect de la dignité de la personne
qui doit fonder en toutes circonstances l'intervention de l'assistant social. L'article 2, il pose le devoir de la non-discrimination, c'est-à-dire que quelle que soit leur origine, leur couleur, leur sexe, leur situation, leur nationalité, leur religion, leur opinion politique, et quels que soient les sentiments que ces personnes vous inspirent, vous devrez mettre votre fonction à disposition de toutes ces personnes. L'article 3, il pose le devoir de la confidentialité, où l'établissement d'une relation professionnelle basée sur la confiance va faire de vous le confident nécessaire qui est reconnu comme tel par la jurisprudence et la doctrine. L'article 4 pose le devoir du secret professionnel, c'est-à-dire que vous avez une obligation de garder secret toute information qui vous est partagée par une personne, sous peine de condamnation au pénal. Sauf exception dans le cas de la protection des mineurs et en France, la maltraitance aux enfants. Et enfin, l'article 7, il pose le devoir de l'indépendance et de la liberté. C'est-à-dire que l'assistant social, il ne peut accepter de travailler dans des conditions qui pourraient compromettre la qualité de ses interventions. Alors moi, quand j'entends Martine qui me dit là les règles de métier, je me dis « Wow, c'est du costaud, quoi !» C'est un métier qui a du sens, c'est un métier qui est utile à l'autre, qui est utile à la société. C'est un métier qui se base complètement sur l'humain et qui fonde l'intervention sur la solidarité. Je me dis, ouais. Je me sens fière d'arriver dans ce métier-là. J'ai un peu la trouille, mais je me dis, ok, j'ai envie de le relire. Et donc, je me retrouve diplômée au bout de 3 ans, et là, je suis embauchée. Alors, je suis embauchée en tant qu'assistante sociale au service social de la sécurité sociale. Je voulais du social, là je suis sérieux. Et alors quand j'arrive à la Sécu, j'ai quand même ce truc de « oui, alors, la Sécu, je vais quand même brasser du papier toute la journée. » J'ai cette image qui me vient en tête. Mais au moment où j'arrive, en tant que jeune embauchée, on me donne le petit guide, la CRAM mode d'emploi, qui est remis à tous les nouveaux salariés de la Sécu. Et là, quand je feuillette ce guide, il y a un petit chapitre, qui parle de l'historique de la Sécu. Et je retourne voir un peu ça. Pour l'histoire de la Sécu, ben en fait, la Sécu, ça fait partie du programme du Conseil national de la Résistance, qui voulait imaginer un plan complet de sécurité sociale pour mettre à l'abri la population des risques de la maladie, de la vieillesse, les risques liés à la famille et tous les risques professionnels, donc accidents du travail et maladies professionnelles. Et donc, ce plan du Conseil national de la Résistance, il a fini par exister par le biais de l'ordonnance de 1945. Cette ordonnance, elle pose vraiment le principe de la mise en place de systèmes de protection avec une construction qui était faite sur le principe de « tu cotises en fonction de tes moyens et tu fais appel en fonction de tes besoins ». Et l'autre principe fondateur de la Sécu, c'est... que c'est un organisme qui est indépendant de l'État. C'est-à-dire qu'il va être géré pour 70% par les syndicats ouvriers et pour 30% par les syndicats patronaux. Ce mode de gestion-là, il a vraiment été mis en place dans l'ambition de pouvoir rééquilibrer les rapports de force entre les ouvriers et les patrons. Alors du coup, pareil, quand je relis ça sur l'histoire de la Sécu, je me dis, waouh, bah c'est... Quand même, quoi, c'est du costaud, quoi, hein, dans le terme d'histoire, là, enfin, c'est du... Ouais, il y a du lourd, quoi. Et du coup, alors, mon travail, assistante sociale, au service social, de la sécurité sociale, alors déjà, je voudrais vous poser la question, est-ce que vous saviez qu'il y avait des assistantes sociales à la Sécu? Est-ce que c'est quelque chose que vous connaissiez? Et pour le coup, qu'est-ce que vous croyez qu'elle fait, l'assistante sociale à la Sécu? Elle donne des aides, ouais. Alors, elle donne, ouais. Non, ouais. C'est-à-dire qu'il y a deux grandes missions dans ce travail-là, qui sont déjà d'informer et de guider les gens. Donc, les gens, c'est
l'ensemble des salariés qui cotisent à la Sécu, hein, les salariés du secteur privé, quoi. Voilà. Donc d'aider les personnes pour les renseigner et puis les guider dans ces méandres administratifs, parce que, bah oui, comment tu fais pour être acteur de ton propre changement quand tu ne connais pas tes droits Sécu, quand tu ne connais pas tes droits par rapport aux droits du travail? Ou alors quand ça fait, quand tu es en arrêt maladie, que tu touches que la moitié de ton salaire et qu'à la fin du mois, tu ne sais pas bien comment tu vas payer ton loyer, voilà, comment tu fais pour être aussi acteur de ton propre changement, quoi, dans ces cas-là. Donc voilà, une des missions, c'est ça. Et puis l'autre, c'est pour les personnes qui, suite à la maladie ou à l'accident, ne peuvent pas reprendre le travail qu'ils faisaient avant, bah, c'est de les accompagner pour réenvisager du coup un autre emploi et une reprise de travail. Alors il y a eu 18 années à essayer de tenir ce challenge de remplir ces missions-là. Le problème, c'est que... c'est qu'il y a de plus en plus de gens en arrêt de travail. Le problème, c'est que les droits, les dispositifs sociaux, ils sont de plus en plus complexes, que les moyens d'y recourir sont de plus en plus compliqués. Le problème aussi, c'est que dans les services publics, les administrations, il y a de moins en moins de personnel pour étudier et même pour informer sur ces droits-là. Mais en fait, surtout le problème, c'est qu'il y a de plus en plus de gens en arrêt parce qu'ils... à cause du travail, quoi. Parce qu'ils tombent à cause du travail. Ils sont tellement dans des conditions invivables qu'en fait, ils s'écroulent. Et que moi, au milieu de tout ça, y a des moments où je ne savais plus trop comment faire, quoi. Alors, dans les moments où j'ai des baisses de niaque, quoi, où je ne sais plus trop comment avancer, moi, mon refuge, c'est la lecture. Et surtout la littérature jeunesse. Alors, j'ai deux enfants, et un jour, ma sœur Pauline a offert un album à mes gosses. Et c'est là que j'ai rencontré... et là, Claude Ponty est arrivé dans nos vies. Et c'est là que j'ai rencontré Okidélé. Alors ce soir, ce dont on va parler, c'est du travail, de la sécu, du métier d'assistante sociale et la grande danse de la joie joufflue. Donc, du coup, je commence à travailler. Alors, qu'on se le dise, c'est sécurisant de bosser à la Sécu. Bah oui, parce que quand même, tu rentres à la Sécu, tu sais que tu as un emploi qui est garanti jusqu'à la fin si tu as envie. Tu as quand même un salaire qui n'est pas dégueulasse. Tu as des avantages sociaux qui sont intéressants. Voilà, c'est sécurisant à ce niveau-là. C'est sécurisant aussi parce que moi, quand tu as 22 ans, je me retrouve, quand des gens arrivent dans mon bureau et déposent ce qu'ils vont déposer, je suis bien contente de pouvoir m'appuyer sur tout mon attirail de droit sécu, hein, des prestations de la sécu, et mon attirail de méthodologie de travail social. Quand il y a Nicole, par exemple, qui arrive dans mon bureau et qui s'installe, qui se pose et qui... Nicole, elle a deux enfants, qu'elle élève seule, deux ados. Et puis quand je la rencontre, en fait, ça fait plusieurs mois qu'elle est en arrêt pour une dépression. Et quand elle arrive dans mon bureau, elle s'installe, et là, elle sort de son sac à main des tas de factures. Il y a des enveloppes où elle n'a même pas ouvertes. Elle me pose tout ça sur le bureau. Et elle me dit, mais moi, j'y arrive plus. Je sais plus par où prendre les choses. J'y arrive plus. Donc là, moi, je suis bien contente de pouvoir sortir mon dossier de demande d'allocation logement qu'on va remplir ensemble pour qu'elle puisse avoir une aide pour payer son loyer. Le dossier de demande d'aide de couverture maladie universelle, pareil, qu'on va remplir ensemble pour qu'elle ait une aide pour payer ses soins. Je prends mon téléphone, j'appelle le service RH de sa boîte pour vérifier si elle a une prévoyance, soit pour compléter ses indemnités. Et puis, pour finir, je remplis une demande d'aide financière pour qu'elle ait un coup de pouce pour faire ses courses à la fin du mois. Je gère, quoi. Non mais tu sais, moi j'ai l'impression d'être Zia dans les merveilleuses cités d'or où je suis là pour résoudre des énigmes et délivrer les opprimés à bord du Condor de la Sécu, quoi. Je kiffe. Donc je gère. Et donc je travaille. Je me le répète souvent. Je travaille. Alors il y a eu un certain nombre d'années où je me le répétais comme s'il fallait que je m'en persuade. Oui, parce que alors, je suis une femme où la valeur du travail des femmes n'a pas
n'est pas toujours la même que celle des hommes. Je crois qu'on arrive bientôt au moment dans l'année où, oh là, du coup, les femmes travaillent gratuitement, hein, si on compare les niveaux de rémunération. Je suis assistante sociale. Bon, comme métier, on sait tous quand même bien que c'est un métier à vocation, quoi. Un petit supplément d'âme. Et je travaille la sécu. Je vous rappelle les sketchs de Coluche sur la sécu, les travails et la sécu. Enfin, donc je crois qu'il y a de ça qui fait que bah, pendant longtemps, je me le répète, je travaille. Il y a quelques années, quand, je me suis séparée du papa de mes enfants, et à ce moment-là, je les avais en garde tout le temps, ils les récupèrent un week-end sur deux. Et puis, bah, c'était il y a 2 ans, quand j'ai fait cette formation Monte ta conf, j'ai demandé au papa de mes enfants s'il pouvait récupérer les enfants le jeudi soir au lieu du vendredi soir, pour que je puisse aller faire la formation. Il m'a répondu, moi je peux pas, moi je travaille. Oui, moi aussi. En tout cas, je travaille, moi le travail me travaille depuis un certain nombre d'années. Du coup, ça fait quelque temps où je vais voir un peu ce qui se dit dans ceux qui travaillent sur le travail. Et par exemple, il y a Daniel Linhart, qui est sociologue du travail. Ou pour elle, la définition du travail, c'est que c'est une activité sociale qui contribue à répondre aux besoins d'autrui à partir d'une compétence, d'un savoir, d'un rôle social qui va définir des droits et des devoirs. Et ce rôle, il n'est pas construit, il ne dépend pas des particularités de chacun, mais il se caractérise par des manières de faire qui sont construites collectivement. C'est ça, sa définition du travail. Il y a une autre personne... qui du coup, moi, m'a aidé à comprendre certaines choses sur le travail, c'est Christophe Dejour, qui est un psychiatre, psychanalyste du travail. Christophe Dejour, c'est peut-être un nom que vous avez entendu, parce qu'il a été l'expert appelé à l'affaire des suicides à France Télécom, là, qui s'est tenue il y a 2 ans, je crois. Christophe Dejour, c'est lui qui a été un des initiateurs d'un courant qui s'appelle la psychodynamique du travail, et du coup, qui a travaillé sur ce qu'est le travail. Et lui, sa définition du travail, bah, il la pose comme ça. Lui, il dit que travailler, bah, qu'il s'agisse d'une activité salariée ou bénévole, d'une activité domestique ou professionnelle, d'une activité de manœuvre ou de cadre, du public ou du privé, de l'industrie ou des commerces, de l'agriculture ou des services, travailler, c'est mobiliser son corps, sa personne et son intelligence pour une production ayant valeur d'usage. C'est-à-dire pour produire quelque chose qui va être utile à la société, utile à l'autre. Et dans sa définition, enfin du coup, dans comment il approche et il accroche le travail, pour lui, il y a 4 éléments clés qui vont structurer le travail. Bon, le premier élément clé, ça va être les règles de métier. Non, je vais le mettre là. Sinon, il ne va pas se voir et c'est important, les règles de métier. Les règles de métier, c'est toutes les ficelles du métier. C'est le jargon professionnel qu'on emploie dans ce corps de métier. C'est les techniques. Ça va être aussi l'éthique qui a cours dans ce métier-là. Ça va être aussi toutes les règles sociales qui ont lieu, qui ont cours dans ce travail. Alors, par exemple, moi, quand les gens... comment il m'en parle, c'est ce pâtissier qui disait pour lui ce qui était important au travail, c'était de respecter les façons de faire les pâtisseries qui lui avaient été transmises par son maître d'apprentissage. Ou alors c'est cette... alors AMP, on ne dit plus comme ça, aide médico-psychologique, je ne sais plus le nouveau terme, mais elle, ce qu'elle me disait, c'est ce qui était important pour elle, c'était qu'elle partageait des valeurs communes avec ses collègues. C'est cette ouvrière en horlogerie qui dit, mais moi, ce qui est important pour moi, c'est que je contribue aussi à transmettre ces savoir-faire de la région, là, de la Franche-Comté, où il y avait toute une culture et tous des savoir-faire particuliers par rapport à l'horloger. Le deuxième élément clé qui va structurer le travail, ça va être le collectif de travail. Ah, comme ça, vous la voyez. Alors, le collectif de travail, bah, c'est là où s'élaborent les règles de métier. C'est-à-dire, c'est l'espace où on parle du travail réel.
C'est là où on se discute et on vit de comment on accueille les nouveaux, comment on accompagne ceux qui partent. C'est l'espace où on va développer ces échanges sur comment on s'empoigne cette prescription qui nous est donnée là, de réaliser un travail, comment on s'en empoigne collectivement pour pouvoir le réaliser. Alors par exemple, c'était cet ouvrier en métallurgie. Lui, il me disait, mais moi, ce qui était important pour moi dans mon travail, c'est que, en fait, quand on se retrouvait à la pause avec les copains, là, et ben, chacun s'enquérait de savoir comment va l'autre. Puis les enfants, ça va à la maison en ce moment, je sais que c'était dur pour toi. Et puis, justement, celui qui est un peu en galère en ce moment, et ben, on avait toujours une attention sur la chaîne pour que on lui fait des coups de main quand il avait besoin, quoi, quand il n'arrivait pas trop à tenir la présence. Ou alors c'est cette éduc qui disait que ce qui était important pour elle dans le collectif de travail, c'est qu'elle se sentait protégée par ce collectif de travail. Elle savait que le jour où elle se trouvait en difficulté avec un gamin, elle pourrait en parler avec ses collègues pour que ça puisse être aussi un problème collectif et que chacun, en coopérant, y trouve une solution. Le troisième élément clé qui va structurer le travail, c'est tout ce qui touche à la construction de l'identité. C'est-à-dire qu'on arrive au travail, on y vient avec ce qu'on est, et le travail va avoir une influence, un impact sur ce qu'on devient. Ou c'est aussi par ce qui nous nourrit au travail, par rapport à l'effort qu'on y apporte, qu'on y met, on va être nourri de ce que ça va nous apporter, ça va construire notre identité. Alors par exemple, il y avait cette banquière qui me disait, mais moi au travail, ce qui était important, c'est que j'existais par mon travail. Moi, les challenges qu'on me fixait par rapport à ce que je devais faire dans mon travail, de les réussir, c'était pour moi une réussite personnelle, j'existais par ça. Le travail, ça peut être un espace d'épanouissement, d'autonomie, de liberté. C'est ces mots-là que les gens ils emploient dans le bureau quand ils parlent du travail. Alors ça, c'était surtout dit par les femmes, justement. C'est quelque chose que j'ai pu voir dans mon expérience. Et puis le quatrième élément clé qui va structurer le travail, c'est la reconnaissance. Alors la reconnaissance, ça va être à la fois la reconnaissance de l'utilité du travail qu'on produit. Alors l'utilité économique, mais ça peut être aussi l'utilité sociale. Et cette reconnaissance, elle peut être apportée par les supérieurs hiérarchiques, mais elle va être aussi apportée et nourrissante par la reconnaissance des collègues ou par les clients. Ça va être aussi le jugement de beauté qui va être porté par les collègues, par exemple, sur le travail qu'on a produit. Alors moi, ça, par rapport à la reconnaissance, moi ça me fait penser à mon papa qui, quand il avait une reconnaissance que les meubles qu'il fabriquait étaient beaux, ça nourrissait, ça se voyait. Et que l'histoire de la coopération, c'est que ces quatre éléments clés qui structurent le travail, en fait, ce n'est pas des éléments dissociés. C'est parce que dans une situation de travail, chaque endroit est nourri par la coopération de l'ensemble des gens qui constituent une équipe, que du coup, ça va fonctionner. On va être dans un travail qui va être sain pour la santé. Alors du coup, pour les gens qui tombent en arrêt, qu'est-ce qui se passe par rapport à tout ça? Par exemple, moi, quand il y a Cédric qui arrive, Cédric, il est charpentier. Quand je le rencontre, il a 42 ans, il a 3 enfants. Et quand je le rencontre, en fait, ça fait 2 ans qu'il est en arrêt parce qu'il est tombé d'un toit. Donc il a eu des fractures aux chevilles, aux genoux, aux hanches, au niveau du dos. Et puis il a eu les poignets brisés, quoi. Et donc, quand il arrive dans mon bureau, lui, il arrive avec ça. Lui, ce qu'il me dit, c'est « Moi, je me sens inutile, je me sens incapable, je peux même plus faire mon bois, je peux plus sortir, je peux plus aller faire du vélo avec mes filles, ce que j'aimais faire. Je me sens seule. » Et vous rendez compte, ça fait 12 ans que je bosse pour ce patron. Ça fait 12 ans. En 12 ans, j'ai jamais refusé de faire des heures supplémentaires pour terminer un chantier. J'ai jamais rien refusé. Quand il fallait aller vite, que du coup on ne montait pas tout l'échafaudage, parce qu'il fallait gagner du temps, j'ai jamais rien dit. Et là, ça fait 2 ans que je suis en arrêt de travail.
Mon patron ne m'a jamais passé un coup de fil. Vous savez, c'est lourd. Alors, il y a des fois où je voudrais bien me changer un peu les idées et je voudrais bien un peu sortir, quoi. Le problème, c'est que quand je sors, je croise les voisins. Ou même des fois, quand je vois la famille, il y en a toujours un pour me dire « Non, ça fait 2 ans quand même, là. T'as pas l'air bien malade, enfin. Tu pourrais y retourner, quoi. Tu crois pas que t'es un peu feignant ?» Et donc, c'est ça qui porte, lui, quand il arrive dans mon bureau, voir l'assistant social de la Sécu. Il a cette image de cassos, là. Bon, je crois qu'on va aller faire un tour chez Okidé, les gens. Quand il est né, Okidélé n'était pas beau. Ses parents, ses frères, sa sœur dirent « Oh, mais qu'il est laid !» Okidélé pensa que c'était son prénom et chaque fois qu'il l'entendait, il se précipitait. Alors son père, sa mère, ses frères et sa sœur finirent par l'appeler Okidélé. Surtout ses frères et sa sœur, qui aimaient beaucoup l'appeler. Un jour, il vit qu'il n'avait pas la même tête que les autres. Il décida de se fabriquer un masque pour être comme tout le monde. Alors parfois, Okidélé attachait les gens de sa famille avec des cordes pour parlophoner tous ensemble. Il arrivait à bien les attacher, il n'en oubliait aucun. Mais à chaque fois, son parlophone était trop serré et les choses ne marchaient pas du tout comme il le voulait. Donc, Okidélé me fait penser à ces gens en arrêt qui, eux aussi, ils ont l'impression de ne pas être comme tout le monde. Alors, par rapport à cette question d'identité, là, l'identité sociale, en fait, c'est un... Si on va regarder du côté de la sociologie, l'identité sociale, elle se construit à partir de la valeur qu'on se donne vis-à-vis des autres, par rapport à la place, et la position et la distance qu'on occupe par rapport aux autres. Ou du coup, en tant que travailleur, le statut social du travailleur, il inscrit dans un ensemble, il va se construire une identité vis-à-vis de ses collègues, de sa famille, de ses voisins, etc. Quand une personne se retrouve en arrêt de longue durée, l'arrêt va venir bousculer toutes ces choses-là, tout ce qui relève de ce statut-là. La maladie, parfois le handicap, ce qu'on n'arrive plus à faire tout seul, ça va venir complètement modifier, du coup, quelquefois la place dans la famille ou la place dans tous ces ensembles-là qui sont traversés par les gens. Et l'identité sociale des gens, elle se trouve complètement déconstruite. Et alors mon job, moi, par rapport à ça, en tant qu'assistante sociale à la Sécu, mon job, c'est un peu d'être les filles du parlophone. Alors pour ça, je vais aller je les rencontre, je les écoute. Je vais essayer de comprendre avec eux quel est le problème, essayer de comprendre ce qu'ils sont, on va essayer de comprendre ensemble plutôt, ce qu'ils sont en capacité de faire seuls et là où ils ont besoin d'un coup de main. Je vais essayer de comprendre les contraintes auxquelles ils sont tenus et après je sors de ma caisse de sécu les outils dont on aura besoin pour trouver des solutions à ces problèmes. Alors il y a Hugues par exemple, quand je le rencontre, alors Hugues c'est le grand gaillard, le rugbyman quoi, costaud quoi. Il a 50 ans, ça fait un peu plus de 20 ans qu'il bosse dans une boîte, une industrie où il fabrique des tournevis. C'est quelqu'un qui a toujours été très engagé, il est représentant du personnel, il est engagé au niveau syndical. Et quand je le rencontre, moi, il est en arrêt depuis 18 mois, parce qu'il a les épaules complètement abîmées, il s'est fait opérer des épaules. Mais malgré ces opérations, en fait, il ne pourra plus lever les bras plus haut que ça, quoi. Il ne peut plus porter de chargement. Alors quand je le rencontre, je vais lui parler du dossier à la maison du handicap, là, pour qu'il soit reconnu travailleur handicapé. Mais en fait, ce que je vais surtout entendre, c'est ce qu'il me dit, c'est « je me sens plus capable, je me sens inutile ». Alors je lui propose de participer à un atelier qui se fait dans le service, où les personnes en arrêt de travail peuvent aller. Et en gros, l'idée, c'est il y a des informations sur les différents droits autour du handicap, et puis tout un travail en groupe autour de qu'est-ce qu'il est possible de faire sur les compétences des personnes. Et quand il revient de ce groupe, il me dit « Vous savez, en fait, là où ça m'a fait du bien, c'est que je me suis rendu compte que je n'étais pas tout seul à vivre là ce que je vivais, toutes les conséquences de cet arrêt-là.
Je me suis aussi rendu compte que finalement, j'étais encore capable de plein de choses. Et surtout, ce qui m'a fait du bien, c'est que dans ce groupe, moi, vu que j'étais représentante syndicale, il y a des choses que je connaissais sur le droit du travail. Et j'ai beaucoup aimé, du coup, partager ça avec ceux qui étaient là. Et alors, Hugues, il va être licencié pour inaptitude à la fin de son arrêt. Il ne pourra pas reprendre son emploi. Mais après ce licenciement, il va faire une formation et il va retrouver un emploi pour être surveillant de nuit dans une maison d'enfants. Et pour l'avoir revu, il a pu me partager que bah, c'est un métier où il s'est éclaté à nouveau. Quoi. Il a retrouvé une place. C'est pas chouette, ça, hein ? Ouais, mais alors attendez, parce que... Je vous ai quand même dit, je bosse à la Sécu. La sécurité sociale. C'est quoi la première image qui vient souvent en tête ou qu'on entend dans les médias quand on parle de la Sécu? De quoi on cause quand on parle de la Sécu? Le trou. Ben oui, quand même. Vous ne croyez pas qu'on n'allait pas en parler. Le trou de la Sécu. Alors là, si on fait un petit retour dans l'histoire. Donc je vous ai raconté l'ordonnance d'octobre 45, elle institue la Sécu. Ça y est, ça existe. Enfin, elle l'a créée. C'est Ambroise Croizat, qui est ministre communiste du Travail, qui est chargé de la mise en œuvre, du coup, de cette sécurité sociale. Et là, alors comment ça se passe? C'est au bout de quelques mois, en août 46, donc même pas un an après, il y a 123 caisses de sécu qui existent et qui fonctionnent sur le territoire français, et 113 CAF, les caisses d'allocation familiale. Ce qui s'est passé, c'est que, pour la mise en œuvre de la Sécu, ce sont les représentants syndicaux de la CGT qui, bah, après les journées d'embauche, enfin les journées d'usine, eh ben, allaient dans les combles mis à disposition par les mairies, hein, dans les départements, là, pour bah, traiter les premières feuilles de remboursement de soins, les premiers paiements de retraite, etc. C'est comme ça que ça s'est mis en place, la Sécu. Dans un pays en sortie de guerre, en 9 mois, voilà, c'est sorti. Moi, cette histoire, je l'ai redécouverte en regardant le film La Sociale. Donc, j'ai mis l'affiche. C'est un film de J.P. Perret qui, en suivant, je le ferai Fregonara, c'est justement un des représentants, je crois que c'était le secrétaire général de l'Union départementale CGT de Savoie, qui racontait cette histoire. De Haute-Savoie, s'il vous plaît. Ah, pardon. Oui, on a une Savoie dans la salle. C'est comme genre si je disais, la Haute-Saône a passé du Jura ici, vous voyez. Non, c'est un truc qu'on n'a pas le droit, quoi. Mais excuse-moi. Donc, en Haute-Savoie. Et ils racontent ça, ils racontent cette histoire. En 9 mois, quoi, ils ont créé ça. En 67, il y a une première réforme qui vient bouger un peu des choses à la Sécu, c'est la réforme Jeanneney. Cette réforme, en fait, ce qu'elle va instituer, c'est le paritarisme. C'est-à-dire que là, au niveau de la gestion des caisses de Sécu, c'est partagé à 50% par les syndicats ouvriers, 50% par les syndicats d'entre nous. Là, le rééquilibrage des rapports de force, bon, c'est plus compliqué. Quoi. Au début des années 80, il y a une réforme qui va venir geler le taux de cotisation. Une cotisation hein, où on cotise en fonction de ses moyens, hein, ce qui est alimenté. En 90, il y a sous Rocard la création de la CSG, la contribution sociale généralisée, qui était instituée pour rembourser le déficit de la Sécu. Ouais, alors la petite différence, c'est que la CSG, c'est un impôt qui est collecté par l'État. Ce n'est pas une cotisation versée dans les caisses de la Sécu. La différence que ça fait, c'est que si l'État y collecte un impôt, ça veut dire qu'il commence à prendre du pouvoir sur la gestion de la Sécu. En 95, il y a la réforme Juppé. Alors Juppé voulait faire gros rouleau compresseur, hein, il voulait toucher à la retraite, il y a eu des mouvements hein, en 95, ils n'ont pas pu toucher tout de suite à la retraite du fait de ces mouvements sociaux. Sauf que par contre, ce qui est passé, c'est que la réforme Juppé a institué la programmation de la loi de finances de la sécurité sociale. Où là, l'État a commencé à mettre une programmation, à demander des comptes à la Sécu, justement pour rembourser ce déficit. En août 2004, il y a la réforme Fillon, la réforme de l'assurance maladie. Alors c'est depuis cette loi-là où il y a 1 euro par consultation de médecin qui est plus remboursé. Dans cette réforme, il y a eu aussi que la gouvernance des conseils d'administration des caisses de sécu est supprimée. Il n'y a plus de conseil d'administration à la sécu pour gérer. La gestion, elle se fait maintenant par l'État. L'État qui va fixer aux caisses de sécu des objectifs.
Et en 2005, donc, arrive la loi de finances de la Sécurité sociale, où là, vraiment, l'objectif premier, c'est de rapprocher les dépenses des recettes. Donc, ils vont dérembourser certains médicaments. Et puis, ils commencent à remettre un peu à jour que, attendez, là, les arrêts de travail de longue durée, ça coûte de l'argent. Ça, c'est coûteux pour la Sécu. Ça tombe bien, il y a un service social à la Sécu qui est là pour accompagner les gens en arrêt de travail. Alors, moi, à cette époque-là, j'y suis à la Sécu. J'y travaille. Et du coup, je suis envoyée en formation. Alors, une formation qui s'appelle « S'impliquer dans les changements institutionnels ». Et pour commencer cette formation, il y a une grande messe à Paris, à la Caisse nationale d'assurance maladie, la CNAM, là, où alors là, on est dans un amphi immense, il y a 1000 assistants sociaux de tout le territoire français, et il y a une grande messe où il y a le directeur de la CNAM qui introduit la formation. Et là, il nous explique que le challenge du service social, ça sera de contribuer à combler le déficit de la Sécu. Les contrats pluriannuels de gestion fixés par le gouvernement, ils nous obligent à la nécessaire montée en charge de vos portefeuilles de clients. Le challenge, ça sera le traitement de masse. Le service social, il est attendu dans une démarche proactive. On n'attend plus le client, on va le chercher. Pour ça, on va développer les offres de services pour pouvoir toucher les gens qui en ont besoin et le plus de personnes possibles qui en ont besoin. Vous me direz, pour le service social, c'est une vraie aubaine. Pouvoir toucher et pouvoir accompagner le plus de personnes possible. Et en plus, cette aubaine, c'est aussi que tout ça se fait dans le cadre de la démarche qualité. Où vous allez pouvoir travailler à rendre le meilleur service possible au maximum de personnes possible. On va vous accompagner dans la tenue de ce challenge, dans cette réussite. On a des indicateurs pour vous aider à remplir ce challenge. On va pouvoir voir, par rapport au nombre de personnes en arrêt de travail, combien vous aurez pu en accompagner, combien auront repris le travail après cet accompagnement. Comment j'entends ? Des moyens ? Non, alors, vous savez très bien que nous sommes soumis aux mêmes règles que les fonctionnaires, c'est-à-dire un remplacement en retraite sur deux. Voilà. Alors, à cette grande messe, moi, quand j'ai entendu ça, quand j'ai entendu ces mots-là, j'ai commencé à vaciller. Mais je me suis dit, oui, mais en tant qu'assistante sociale, par rapport à tous ces gens-là, il faut tenir. Donc c'est là que j'ai commencé à prendre la posture de la guerrière. Chlac, on verrouille, on y va. Et j'étais quand même super libre. On va retourner faire un tour du côté de qui les gens. Alors qu'il allait se cacher sous le lit pour pleurer. Il y restait des heures entières. Et là, on le laissait tranquille. Et même on l'oubliait. Okilele décida de s'installer sous l'évier. Il construisit un lit suspendu et quelques meubles avec tout ce qu'il trouvait dans la poubelle et qui pouvait encore servir. Il entreprit aussi de se coudre une cape pour se protéger du froid et de la pluie. C'est alors qu'il rencontra Martin Réveil. Okilele répara Martin Réveil qui avait été cassé et jeté à la poubelle. Ensuite, Okilele brancha l'électricité. Et cette nuit-là, Martin Réveil raconta l'histoire de sa vie à Okilele. C'était une histoire gaie le soir et triste le matin. Tous les soirs, ils étaient très très gentils avec moi. Ils me disaient, s'il te plaît, réveille-nous demain matin, surtout n'oublie pas. Et moi, le matin suivant, je les réveillais. Mais là, ils me tapaient dessus pour dormir encore. Et ils me cassaient tous les jours un peu plus. Okilele apprit à lire et à écrire en mangeant de la soupe aux lettres avec son nouvel ami. Avec lui, il agrandit sa maison sous la terre. Ils creusèrent de nombreux tunnels. Et tous les matins, ils inventaient une pièce qui s'ajoutait aux autres. Le soir, ils construisaient le parlophone géant. Avec un vieux poste de radio, beaucoup de fils électriques et des tas de choses cassées qu'ils trouvaient dans la poubelle. Okilele voulait parlophoner avec les étoiles. Il voulait savoir pourquoi les choses étaient comme ça et pas autrement. Une nuit, les étoiles répondirent. Elles dirent que quelque part, sur une planète, on avait besoin d'Okilele. Okilele ne sortait plus beaucoup de sous l'évier.
Pourtant, un lundi, il dérangea les autres un peu plus que d'habitude. Ses parents entrèrent dans une grande colère. Il eut tellement peur qu'il ne put rien dire d'autre que « Pitrouille, pitrouille !» Et ses parents ne sortirent pas de leur colère. Ils ne voulaient plus le voir, qu'il retourne dans son trou et qu'il y reste jusqu'à la fin des fins. Son père prit des briques et du ciment et l'enferma sous l'évier. Okilélé décida de partir avec Martin Réveil pour chercher les voix qui lui avaient parlophoné et trouver quelqu'un qui avait besoin de lui. Okilélé et son ami marchèrent dans la nuit. Ils marchèrent longtemps, dans plusieurs nuits. Alors un jour, notre chef nous apprend que la direction nous offre la possibilité d'écrire le projet de service, de construire ensemble le projet du service social à la CRAM. Alors moi, je m'engage à fond, je vais à tous les ateliers, j'écris beaucoup, j'y crois. Pendant un an, ça dure, il y a des réunions, on travaille dessus. Et au bout d'un an, en 2011, là, on invitait à une autre grand-messe. Alors une grand-messe à Dijon, donc c'est un peu plus petit qu'à Paris. On se retrouve dans une salle avec les 100 assistants sociaux de Bourgogne-Franche-Comté. Et là donc il y a un PowerPoint, il y a un diaporama qui nous présente du coup les différentes étapes de ce projet de service. Et arrive la slide, diapositive. Oui, voilà la diapo où on parle des valeurs du service social. Alors là, il y a le directeur adjoint qui se relève, qui rajoute son costume trois pièces, Bernard Tapie, qui prend la parole. Oui, parce qu'il s'appelait vraiment Bernard Tapie. Qui réajuste, donc son range, son portable dans la poche, qui dit « Ah oui, les valeurs du service social. » Bon. Je vous avoue que j'ai eu quelques surprises, j'ai quelques étonnements sur cet endroit-là du projet de service. Dans les ateliers, vous avez beaucoup parlé des valeurs humanistes. Valeurs humanistes. Qui aujourd'hui serait capable de me donner une définition des valeurs humanistes? Écoutez, nous sommes en 2011 quand même, il faut savoir vivre avec son temps. C'est un terme un peu désuet, quoi. Du coup, j'ai ôté les... Pour moi, ça n'a plus de sens aujourd'hui dans ce qu'est le service social. J'ai fait ôter les valeurs humanistes. Mais par contre, il y a quelque chose d'autre qui m'a surpris. Il y a un terme qui, pour moi, manque dans les valeurs du service social. Et que j'ai ajouté, par contre, c'est l'efficience. Alors moi, quand j'entends que l'efficience, juste pour préciser, c'est un terme économique qui, en gros, le principe, c'est travailler à rendre le meilleur service possible avec le moins de moyens possible. Quand j'entends que l'efficience est venue remplacer les valeurs humanistes au service social, là, je me suis sentie trahie. Je me suis sentie trahie, mais toujours avec ce truc de « bah oui, mais il faut bien tenir, quoi. Il faut quand même bien continuer à essayer de faire le travail qu'il y a à faire, d'accompagner ces gens en arrêt qui sont tous bousculés là, par le travail, etc. » Donc, je veux que je leur verrouille encore plus les épaules et on continue, quoi. On continue, mais c'était pas simple. Et je crois qu'on va retourner faire un tour avec Okilélé encore. Donc Okilélé et Martin Réveil, hein, ils cheminent pendant des jours et ils arrivent vers une maison. C'était la maison de Pophis Forêt, une vieille sorcière déguisée en vieille femme fatiguée. Pophis Forêt demanda à Okilélé de remplir son puits sans fond avec une casserole percée. Elle lui demanda d'enfoncer 52 000 et 3 clous dans du bois de fer. Elle lui demanda de scier et de ranger son bois pour tous les hivers. Elle lui demanda 9 petits déjeuners par jour et même la nuit. Elle lui demanda d'arrêter son ami Martin Réveil. Et Okilélé refusa. Et il reprit son chemin. Martin Réveil était content. Il n'aimait pas du tout Pophis Forêt. Elle usait tellement les gens qu'il n'en restait plus que les os. Et après, elle plantait les os autour de sa maison. Parce que dans ces années-là, 2010, c'est aussi les années où, en fait, la souffrance au travail a commencé à se voir de plus en plus, à faire de plus en plus de victimes, et donc de gens en arrêt de travail.
Alors, comment ça se voyait? C'est que moi, par exemple, il y a Léa que j'ai rencontrée, qui est psychologue, qui bosse dans un établissement pour personnes âgées. Ce qu'elle me dit, c'est moi, je me sentais dépassée. J'avais l'impression qu'on m'en demandait plus que ce que je pouvais en faire. Je me suis investie de plus en plus dans le travail et la vie personnelle passe au second plan. Moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est un collègue, un grand bonhomme, 1m90, 90 kg, qui pleurait tous les jours devant la directrice qui faisait 1m50, qui pesait 50 kg. Oui, à Chantal, elle bosse dans un commerce où elle vend du matériel pour les entreprises du bâtiment. Ils m'ont abusé de moi. Plus j'en faisais, plus fallait en faire. Au début, on était 4 pour gérer 2 services. Puis après, je me suis retrouvée toute seule. Le jour où tu es en voiture et que tu te dis que la seule solution pour sortir de tout ça, c'est de rentrer dans un arbre, tu te dis qu'il y a un problème. J'avais des insomnies, j'étais des nuits et des nuits sans dormir. Et je pensais même pas que c'était à cause d'une overdose de travail. Oui, il y a Franck. Alors Franck, il est ouvrier dans une industrie plastique depuis 30 ans. Et Franck, c'est le gars consciencieux. C'est à lui qu'on confie la presse particulière qu'il est le seul à savoir régler, etc. C'est à lui qu'on confie les intérimaires parce que les patrons, enfin les chefs là d'atelier, ils savent qu'il va bien les former. Et Franck, ce qu'il dit, c'est, bah, en fait, mon chef, il me faisait toujours des reproches, comme quoi je ne tenais pas les cadences, comme quoi je ne faisais pas ce que j'avais à faire. J'ai commencé à en parler aux autres pour dire que le chef, il m'engueulait tout le temps. Si j'avais rien dit, j'aurais très mal fini. J'étais prêt à me faire tomber dans les escaliers exprès pour ne pas retourner à l'usine. C'est un engrenage. On se demande ce qui peut nous en faire sortir. Puis je pourrais aussi vous parler de Martine, cette aide-soignante qui bossait dans un établissement pour personnes polyhandicapées et qui a constaté de la maltraitance de certains de ses collègues sur des personnes polyhandicapées. Elle les a dénoncées, ces maltraitances. Elle en a parlé à son chef, elle en a parlé au médecin du travail. Elle l'a signalé à l'agence régionale de santé. Tout ce qu'on lui a répondu, c'est qu'il fallait qu'elle se taise. Elle n'a pas réussi à se taire. Elle a fait une tentative de suicide dans le bureau de sa chef. Elle s'en est sortie, mais à quel prix? Et en fait, moi, tous ces gens, quand ils arrivent dans mon bureau, ce qu'ils me disent, c'est « Non, mais, c'est parce que moi, je suis trop fragile. J'ai pas tenu, mais je suis désolée. Puis je me sens coupable d'être en arrêt, là, d'être à la charge de la société. » Ils me disent ça. Mais sur la souffrance au travail, le burn-out, le syndrome d'épuisement professionnel, en 2019, l'Organisation mondiale de la santé, elle a commencé à le reconnaître. Elle le définit comme ça. C'est un syndrome qui résulte d'un stress chronique au travail qui n'a pas été géré correctement et qui se caractérise par un sentiment d'épuisement, du cynisme et par des sentiments négatifs liés à son travail et où l'efficacité professionnelle est réduite. Alors sur la souffrance au travail, il y a tous ces termes qu'on emploie et toute cette discipline qui touche aux risques psychosociaux où là des praticiens dont Christophe Dejour, Vincent de Gaulle-Jacques, ont construit une méthode pour évaluer ces risques psychosociaux. Où ces risques psychosociaux, s'ils sont présents, ils augmentent les risques qu'on développe des troubles psychosociaux, qui peuvent être le burn-out, mais aussi des problèmes cardiaques, des suicides au travail, etc. Et en fait, cette méthode d'évaluation des risques psychosociaux, ils vont regarder dans les prescriptions de travail. Quelle est la cadence qui est demandée aux gens qui travaillent? Quelles sont les charges de travail qui sont demandées? Ils vont aussi regarder comment est organisé le travail. Est-ce que les missions confiées aux salariés le sont de façon précise? Est-ce qu'on est en présence d'injonctions paradoxales? Ils vont regarder quel est l'état des relations au travail. Ils vont regarder quel est l'environnement physique et technique. Est-ce qu'il y a des risques par exemple, l'exposition à des produits chimiques dangereux. Ils vont regarder l'environnement socio-économique de l'entreprise. Est-ce que c'est une boîte qui est en bonne santé économique ou pas? Et en fait, ils croisent tout ça pour pouvoir dire « Attention, là, on est en situation de risque psychosociaux. Que les gens, ils aient des troubles. » Alors, en mai 2019, quand l'OMS, ils ont reconnu le syndrome d'épuisement professionnel, il y a Muriel Pénicaud, qui était ministre du Travail à l'époque, qui a dit « Oui, non mais attendez, on ne peut décemment pas
reconnaître les syndromes d'épuisement professionnel comme maladie professionnelle. Parce qu'on sait quand même bien tous que si ces gens y tombent, c'est sûrement qu'ils ont des problèmes personnels dans leur famille, quoi. Il y a des choses, c'est eux, quoi. Ils renvoient ça à l'individu. Moi, quand je l'ai entendu, j'ai trouvé ça d'une... Ça m'a fait bondir, quoi. Pourquoi ? Parce que je trouvais ça complètement injuste par rapport à ce que c'est, ce que vivent ces gens-là. Ce dans quoi ils sont pris. J'y trouvais hypocrite. Et donc, je me suis dit, bon, bah, faut continuer à se battre, quoi, pour continuer à accompagner ces gens-là. Donc, j'ai encore plus rebloqué. La souffrance au travail, dont je me suis aperçue, c'est que ça touche toute personne, quel que soit l'âge, l'activité qui soit faite, quelle que soit la catégorie socio-professionnelle, que ce soit dans une petite ou dans une grande entreprise. Et que souvent, c'est les personnes les plus consciencieuses au travail, celles qui vont plus chercher du sens dans le travail qu'elles fournissent, qui tombent. Alors Christophe Dejour, dans l'essai qu'il a fait, qui s'appelle « Souffrance en France », il dit que le monde du travail d'aujourd'hui, qui est inscrit dans le système néolibéral, en fait, il amène à ce qu'on banalise les injustices sociales. C'est-à-dire que dans cette guerre économique de la mondialisation là, qui instille la peur chez chacun de nous, bah, ça provoque des mécanismes où bah, pour se défendre, pour se protéger, bah, on accepte de travailler plus, on accepte de travailler mal, on accepte ces prescriptions de travail qui sont de plus en plus éloignées avec le travail qui est plus réellement accompli. On accepte l'absence de reconnaissance et on accepte ce mensonge institué, quoi. Et que ce monde du travail qui laisse plus de place à l'humain, qui respecte plus les quatre éléments clés du travail, c'est ça qui fait souffrir les gens. C'est ça qui fait que les gens tombent malades. Alors je pourrais aussi vous dire que la souffrance au travail, ça fait 12 000 morts par an. Ça fait 3,2 millions de personnes en risque d'épuisement professionnel chaque année en France. Ça, c'est des chiffres avant Covid. Depuis le Covid, ça monte. Je pourrais vous dire que ça fait 4000 infarctus par an qui sont dus au travail, que ça fait 400 suicides par an dus au travail. Je pense que vous l'aurez compris, je ne suis pas très chiffre, donc je ne vais pas vous en dire plus. Mais alors, du coup, moi, dans tout ça. En mars 2020, au moment du confinement, les premières semaines, je me suis retrouvée en télétravail forcé, comme beaucoup d'entre nous, dans mon salon. À ne plus pouvoir voir les gens, à être à côté d'eux. Du coup, je pouvais juste les appeler. Ou au bout du fil, j'avais des gens qui étaient apeurés. Moi-même, j'avais la trouille, hein. Enfin, j'étais quand même pas tranquille, mars 2020. Quoi. Et j'avais des gens apeurés au téléphone. Des gens qui étaient en arrêt avant, qui étaient déjà en galère financière et qui, là, la sécu était injoignable. Les services, les administrations étaient fermées. Et j'étais la seule, du coup, qui faisait lien entre eux et du coup, le revenu, là, qui faisait que bah, leur arrêt maladie, quoi. Et donc, ces gens qui étaient déjà un peu en galère financièrement, là, avec le Covid, avec le confinement, ils se sont retrouvés encore plus en difficulté. Et ce qui s'est passé, c'est que dans les premières semaines, donc la sécu a fermé, tout le monde a télétravaillé, plus ou moins. Et nous, très rapidement, en tant qu'estante sociale, on a eu besoin de pouvoir faire appel aux commissions d'aide financière auxquelles on faisait appel, parce que les gens étaient en galère. Donc on voulait déposer des demandes d'aide financière. Le problème, en fait, c'est qu'on a appris que le service de la sécu qui s'occupait des aides financières avait été fermé, parce qu'elle avait été jugée comme activité non essentielle au niveau de la sécu. Et moi, je me retrouvais dans mon salon avec les gens au bout du fil. Où je me retrouvais aussi dans mon salon en tant que maman de mes deux ados collégiens, et donc à gérer aussi l'école à la maison. Il y a eu un moment où je me suis dit, non mais je ne peux pas tout faire, il faut que je fasse un choix. Donc je me suis dit, bon ben, je suis maman, la priorité aux enfants. Pendant une semaine, je suis restée, j'ai dit non, je ne travaille pas, je m'occupe de mes enfants. Puis au bout d'une semaine, je me suis dit, mais... Sauf que les gens que j'accompagnais, j'étais leur seul lien. Si je ne travaille pas, du coup, ils n'ont plus personne. Donc j'ai repris le travail à essayer de faire ce que je pouvais. Mais complètement étirée dans tout ça. J'ai commencé à devenir aigrie, quoi. Et puis un peu à crouler sur tout ça.
Alors, les gens me disent, ouais, mais au bout de 18 ans de faire ce travail d'assistante sociale, enfin, tu vois, tout le temps écouter des gens en difficulté, en souffrance, c'est ça aussi qui peut peser, qui fait que là, t'arrives au bout, quoi. En fait, moi, c'est... Je crois que c'est pas... Ça... Moi, j'ai aussi rencontré pendant ces 18 ans tellement de gens qui m'ont appris. J'ai aussi tellement partagé, ils m'ont tellement partagé. Moi, ce qui était difficile, c'est qu'il en revenait toujours plus de ces personnes. J'en voyais encore, 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 encore plus. Et la sensation que j'avais, c'est « Ok, moi, peut-être que pour certains, je vais être utile à un moment donné pendant l'arrêt, mais ils vont retourner dans le même monde du travail après. » J'avais la sensation que ce que je faisais avec eux, c'était comme mettre un pansement sur une jambe de bois, parce que ça ne changeait pas le travail. Puis pour certains, c'était trop tard, ils étaient trop abîmés. Et ces aînés-là, j'ai repensé beaucoup à mon papa. Mon papa, à la fin des années 80, en tant que menuisier, il a accepté un marché avec Grofilex. Grofilex, c'est une boîte d'Oyonnax, de la Plastique Vallée, qui fabrique du mobilier de jardin en PVC et des fenêtres en PVC. Et donc, il avait accepté un contrat pour fabriquer les cales de vitrage. C'est des tout petits bouts de bois qui se trouvent entre la vitre et l'huisserie. Donc, il les fabriquait et il les vitrifiait. Et très rapidement, en fait, ce contrat, ça a représenté les trois quarts de son activité. Et par rapport à ce travail qu'il faisait, donc il les fabriquait, il les vitrifiait, comment il faisait? Mais en fait, il se mettait dans la cour devant chez moi, il mettait des clés métalliques, il posait les cales de vitrage dessus et il arrosait avec le vitrificateur, on s'en fout, du produit qui vitrifie. Et donc, il le faisait comment? Ben, il mettait un masque comme celui que vous avez là sur le visage. Et il nous disait toujours, les filles, vous approchez pas hein, quand je vitrifie. Oui, alors en fait, il n'avait pas besoin de nous le dire. Moi, j'ai encore le souvenir de l'odeur âcre de ces produits-là, qui pulvérisaient. Il a fait ça pendant des années. Jusqu'au jour où Grofilex l'a prévenu du jour au lendemain qu'il avait perdu le contrat, il avait perdu le marché. Ils avaient trouvé quelqu'un d'autre qui faisait un tarif bien moins élevé que le sien. Il s'en est jamais vraiment remis, il a fermé son entreprise, mon père, quelques années plus tard. Et à l'été 2003, mon père, il a été hospitalisé, on lui a diagnostiqué un cancer de l'œsophage et des poumons, dont il est mort 9 mois plus tard. Alors, vu qu'il fumait, les médecins ont tout de suite dit « Oui, ben ça, c'est le cancer de l'œsophage. » Moi, ça fait quelques années où je ne peux pas m'empêcher de me poser la question de... S'il n'avait pas respiré tous ces produits-là pendant des années, s'il n'avait pas été jeté du jour au lendemain par cette boîte, si on n'était pas dans ce monde du travail où c'est l'appât du gain de quelques puissants au détriment des gens, est-ce qu'il aurait été malade, mon père? Est-ce qu'il en serait mort aujourd'hui? Alors, je suis d'accord que la gitane maïs, ça n'a pas dû aider. Ça, on peut être d'accord là-dessus. Mais en pensant à tout ça, il y avait un moment où j'arrivais plus à continuer. Et moi aussi, je refusais d'éteindre les Martin Réveil qui m'avaient tant appris. Bon, on va retourner faire un tour vers Ukulele, je crois. Ukulele planta une montagne. La montagne sortit de terre et se mit à pousser. Elle traversa le ciel, traversa l'espace et elle atteignit les étoiles. Ukulele grimpa sur la montagne jusqu'à une planète morte qui tournait autour d'un soleil endormi. C'était ce soleil, le quelqu'un qui avait besoin d'Ukulele. Il parlophonait pendant son sommeil. Dans ses rêves, il lui disait que lui seul, Ukulele, pouvait le réveiller. Alors Ukulele parlophona avec les étoiles. Il parlophona avec le plus petit caillou de tout l'univers et il trouva le remède. Le soleil s'éveilla, guérit, et sa chaleur s'étendit à nouveau tout autour de lui. Ah oui, parce qu'il faut que je vous montre là. Est-ce que vous connaissez la différence entre une assistante sociale et un pitbull? Ça, c'est une copine assistante sociale qui me l'a raconté. C'était un copain éduc qui lui avait raconté, c'est les petites guerres, guerre de chapelle entre éduc et assistante. Est-ce que vous l'avez alors, la différence entre une assistante sociale et un pitbull? Bah, c'est que le pitbull, au bout d'un moment, il lâche l'affaire.
Donc j'ai pas lâché. En 2015, je demande à me faire. Je pars en formation pour accompagner les gens en souffrance au travail. Et alors juste au moment, c'était en octobre 2015, au moment où se votait la loi travail. Et donc suite à cette formation, je me mets en contact avec un psychologue du travail, un médecin du travail, pour construire un atelier de groupe autour de la souffrance au travail, pour des gens en arrêt, pour de la souffrance au travail. Et là, donc cet atelier, on l'a appelé « Travailler et se travailler ». Il y a 12 personnes qui s'inscrivent à cet atelier. Et la première matinée de cet atelier, il y a 12 personnes qui arrivent. Alors, repliées, hein, enfin, épaules basses, ont pétri dans leur mal-être, quoi. Pas bien. Et au fur et à mesure de cette première matinée, qu'on commence à se rencontrer, à se rencontrer et à se raconter, ben là, alors il y a eu beaucoup de larmes qui ont coulé ce matin-là. Mais j'ai vu aussi des regards qui ont commencé à se réallumer et des visages qui ont commencé à s'ouvrir. Alors après cette matinée, moi je rentre au bureau, alors je suis rentrée, j'étais vidée quoi, mais remplie. Et j'arrive au bureau, alors je suis chargée de mes deux sacs, hein, mon sac de mes outils d'animation, mes supports, tout ça machin, et mon sac avec le café, oui parce que l'assistante sociale elle amène le café dans les bureaux, ça c'est... Donc j'arrive, je passe la porte du service et là il y a la chef qui me saute dessus et qui me dit « Delphine, vous êtes en réunion à Dijon la semaine prochaine, vous avez pris rendez-vous pour faire changer les pneus de la voiture de service ?» Alors là, je pose mes sacs, je dis « oui, je suis en réunion à Dijon la semaine prochaine, non, j'ai pas pris rendez-vous pour faire changer les pneus, je vais m'en occuper, mais... » Vous savez, même si vous ne me le demandez pas, ce matin, c'était la première matinée avec le groupe. Et c'était juste génial ce qui s'y est passé. Je crois que ce qui m'a choquée dans cette scène-là, c'est qu'est-ce qui fait qu'un cadre de service social, il est plus préoccupé par gérer le planning des changements de voiture, de pneus de voiture, que de reconnaître que ce travail-là qui s'est fait avec ces gens, bah, c'était important. Qu'est-ce qui fait ça? Alors bref, du coup, pendant 2 mois, toutes les semaines, j'allais animer donc, ces séances de l'atelier avec les collègues. Là, j'enchaînais les permanences à 10 rendez-vous, les matinées remplies à renseigner les logiciels informatiques pour dire que oui, j'ai bien vu telle personne et puis elle est en telle situation, tout ça, machin. J'ai fait changer les pneus de la voiture de service. Je suis allée à ma réunion à Dijon et arrive le jour du bilan de cet atelier. Et là, au moment du bilan, il y a Evelyne qui dit, vous savez, quand je suis arrivée là, j'étais comme empêtrée dans un cocon de soie de tous mes problèmes, quoi. J'étais toute enserrée. Et là, aujourd'hui, j'ai juste l'impression d'être une libellule. C'est comme si vous m'aviez appris à voler, quoi. Ou il y a Marie qui dit, en fait, ce qu'on a juste travaillé ensemble, hein, ce que ça nous a permis, c'est de retrouver notre humanité. En fait, ce qui s'est passé pendant ces 2 mois avec ces gens-là, c'est qu'on a travaillé ensemble à essayer de comprendre dans quoi ils avaient été pris au travail avec la lecture de 2 jours, là, avec ces 4 éléments clés qui structurent le travail. Moi, ce que je me dis, c'est, vous rendez compte si avec des gens abîmés, en souffrance, malades, si on a réussi à réimpulser ça, ce qu'ils disent, là, l'humanité, tout ça, si on y arrive avec des gens abîmés, vous imaginez ce que ça pourrait faire avec des gens pas abîmés? Et là, du coup, je me suis mise à rêver. Mais ça veut dire qu'il y a tellement d'autres possibles au travail, quoi. Alors, par exemple, il y a le territoire zéro chômeur longue durée, ce dispositif là, qui a été initié par ATD Carmonde. Moi, je l'ai découvert avec le documentaire de Marie-Monique Robin, où elle a suivi pendant 2 ans ces personnes, ces chômeurs longue durée, qui ont été embauchés dans cette entreprise à but d'emploi. Et c'est juste dans ce cheminement qu'on fait avec eux, de voir comment, même au niveau du corps, ils ont changé ces personnes. Comment ils sont devenus à nouveau droits et debout, et avec un regard pétillant. Alors il y a aussi par exemple le réseau Repas. C'est un réseau d'entreprises qui essaye de travailler en remettant l'humain au cœur du travail. Alors le réseau Repas, je l'ai découvert parce qu'un jour j'ai assisté à une conférence gesticulée, ma toute première, celle de Manuel Cornari. Je travaille avec deux ailes. Où elle travaille, elle part du travail.
Et en fait, quand moi j'ai vu sa pompe, j'en suis sortie, les tripes à l'air, je pleuvais. Je lui dis, mais Manu, il faut absolument que les gens, des gens en arrêt de travail, il faut ta conf. Quelques semaines plus tard, il y a la chef du service social qui nous dit, bon ben, il reste des sous dans le fonds d'action sociale, là, si vous avez des projets avec des besoins de subvention, allez-y. Je me dis, ok, chiche, j'essaie. Et par cette subvention qu'on a eue, Manu, elle a pu venir jouer sa conférence gesticulée à la Sécu, devant des gens en arrêt de travail. Où il y avait à la fois des gens en arrêt de travail et puis aussi l'équipe du service social, des collègues assistants sociaux, il y avait les chefs. Et en fait, ce que j'ai juste trouvé magique à ce moment, c'est après la pompe, les gens qui avaient le plus de choses à dire, c'était les gens en arrêt de travail. Et ça, moi, ça a été un moment magique. Puis il y a un côté où je me suis dit, attends, si moi, la gamine de Saint-Maurice, là, j'arrive à faire venir une conférence gesticulée à la Sécu, c'est que tout est possible, quoi. On peut y aller, quoi. Alors, si tout est possible, du coup, il y a le salaire à vie. Le salaire à vie, c'est un autre système où on travaillerait autrement et où... Donc, c'est Bernard Friot, je vais le dire. Pareil, il y a des fans de Bernard Friot. Donc, et le réseau salarial, l'idée, c'est de système là, qui est imaginé, qui est construit. C'est du moment que tu es majeur, tu as un salaire qui t'est versé. Quel que soit ce que tu œuvres. Et l'idée, c'est que aujourd'hui, par exemple, en France, du coup, il y a 23% de notre salaire qui est socialisé. Ce sont nos cotisations sociales qui vont à la Sécu. L'idée du salaire à vie, c'est qu'on socialise 100% de la valeur produite par le travail. C'est redistribué, du coup, à chacun. Et on décide ensemble de ce qu'on veut produire, comment on le produit, etc. Du coup, moi, dans mes idées de tout est possible, moi, je me dis pourquoi pas ça. Alors, par rapport au travail social, il y a, par exemple, aujourd'hui, dans les missions qui sont attendues du service social à la Sécu, donc dans le dernier CPG, là, contrat pluriannuel de gestion, il y a que le service social il est attendu pour accompagner les personnes en arrêt de travail, pour favoriser leur reprise de pouvoir d'agir et qu'ils soient acteurs de leur avenir professionnel. Je trouve que ça claque, quoi. Quand j'entends ça, je me dis, ouais. Derrière, en fait, ce qui se passe, c'est comment dans ces discours qui sont affichés, où on parle de la place du service social dans le développement du pouvoir d'agir, dans accompagner, à s'épanouir, etc. Ce qui est réellement attendu, ce sont, de la part des assistants sociaux, c'est des actions qui peuvent être des supports pour travailler l'estime de soi, ça c'est cool, quoi. Mais si c'est pour pouvoir derrière plus facilement accepter les dominations, je me dis, mais du coup, en tant que travailleur social, on fait bien le taf, là. Qu'est-ce qu'elle dirait, Martine, là, quand elle nous racontait les règles de métier de l'assistance sociale? On est où, là, par rapport à notre éthique et notre déontologie? Alors du coup, moi, comment je m'en suis dépatouillée, ben, j'ai appris à décoder, justement, ce langage du management, à essayer de le décoder. Que je me suis fait avoir plein de fois. Mais essayer de décoder pour... alors j'ai essayé de bricoler avec les logiciels hein, pour remplir quand même suffisamment pour qu'on me foute la paix en fait. Hein. Donc rentrer les clics-clics là dans les logiciels pour garder ma marge de manœuvre, de faire quand même des choses qui avaient du sens avec les gens. Et ça a tenu. Bah, jusqu'à après le confinement, là, ce que je vous ai raconté au confinement. Il y a un moment, la posture de guerrière, là, comme ça, là, tout bloqué, tout serré. En fait, je suis moi-même un peu tombée malade, quoi. Enfin, ça marchait plus. Parce que je crois que... Et donc, j'ai quitté la Sécu, là, le 14 février 2021, jour de la Saint-Valentin. Après 18 ans, dans cette relation passionnée que j'ai avec ce métier, je suis partie le jour de la Saint-Valentin. Il y avait une urgence de partir pour sauver ma peau. Puis je crois qu'il y avait aussi que ce costume de guerrière, là, j'avais plus envie de le tenir comme ça. Et vu que mon envie, moi, c'est quand même de contribuer à changer le monde, je me suis dit, pour ça, je vais partir, je vais faire une recherche en sciences sociales. C'est cohérent, hein, non ? Et donc, je me suis engagée, là, depuis 2 ans, en recherche, où, vu que le travail me travaille beaucoup, je vais chercher sur qu'est-ce que nous, en tant qu'humains, on met en jeu de notre sensibilité au travail, et comment
le travail vient toucher notre sensibilité, comment on joue tous ensemble à tout ça. Bon, bah ça, il y a un côté où du coup, j'ai juste l'impression de recommencer à penser. Juste ça. C'est juste énorme. Mais je me dis, ok, mais c'est pas suffisant. Enfin, ça ne me va pas. Il faut, j'avais cette urgence à dire, quoi, de briser ce silence sur la souffrance au travail. Bon, c'est pour ça que j'ai monté la conférence gesticulée. Je me suis dit, allez, t'y vas, faut causer. Quoi. Enfin, faut. J'ai eu besoin de causer, de raconter cette histoire. Et puis, d'aller œuvrer ailleurs, quoi. Pour contribuer à changer ce monde. Et c'est en ça que les trois compères, là, de ce soir, ce projet sur la coopération, c'est aussi dans cette envie de pou. Bah ouais, on va changer le monde, quoi. Parce que, en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'en étant moi-même fragile, la vulnérable, où mon corps a dit stop à un moment, je me suis retrouvée toute coincée, je me suis sentie complètement vulnérable. Et je me suis rendu compte que c'est par cette vulnérabilité et par le fait que, bah oui, je suis dépendante des autres, et parce que nous sommes tous interdépendants. Ça, je crois, c'est Judith Butler, qui est une philosophe, qui dit... Qui travaille sur cette notion de vie vivable. Qu'est-ce qui rend nos vies vivables? Quel système pourrait rendre nos vies vivables? Pour elle, c'est vraiment de se dire que la vulnérabilité, c'est le commun de l'humanité. Nous sommes tous vulnérables et tous interdépendants. Et que c'est par cette interdépendance qu'il peut y avoir une force quoi, collective. Alors après, bon, il y aura encore plein de chemins qu'on pourrait explorer, mais dans mon taconf, Tiffaine et Julien m'ont dit « Non mais alors Delphine, une conférence gesticulée est bonne, elle ne dure pas trop longtemps, on te demande un peu d'efficience. Donc on va atterrir. » Okilélé redescendit de la montagne. Martin réveille sur ses genoux parce que c'était trop dangereux pour lui. Il trouva la maison de ses parents en ruine. Elle avait été trempée par les pluies, battue par les vents, démolie par les tempêtes, et un ruisseau la traversait. Dans la maison, Okilélé but l'eau du ruisseau. C'était une eau salée, une eau de larmes. Okilélé remonta le long du ruisseau, il grimpa sur les rochers, escalada les falaises et arriva dans une forêt de sapins. Entre les troncs, devant une cabane de branches, il reconnut ses parents. Ses parents pleuraient sans cesse. Tout allait mal depuis qu'il était parti. Les mots disaient le contraire, les mains faisaient autre chose et les repas n'avaient plus de goût. Okilélé prépara un bon repas dans la grande marmite de fête. Pour le goût, il mit sa cape et les dernières gouttes du ruisseau de larmes. Après le repas qui dura 7 heures et qui avait 14 desserts ordinaires et 28 extraordinaires, tout le monde dansa la grande danse de la joie joufflue. Okilélé, c'est la part d'humanité qu'on a en chacun de nous. C'est ses failles, ses faiblesses qu'on a, ses cicatrices qu'on s'est récupérées et que le système néolibéral y provoque sur nous pour nous rejeter ensuite. Alors mon ami Alex... Elle me rappelle souvent Sénèque qui dit que la vie, ce n'est pas d'attendre que l'orage passe, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Alors vous allez me dire que je suis peut-être un peu trop naïve, quoi, que tout ça, c'est des histoires pour enfants. Ben, et pourquoi pas? Moi, je les trouve beaux et forts, tous ces gens cabossés, abîmés, qui ont supporté toutes ces dominations, qui en sont tombés, qui trouvent la force de se relever. Et d'affronter le regard des autres, de dire, je les trouve beau de défendre leur droit d'être malade, d'être fragile, d'être vulnérable. Je les trouve beau de défendre ce qu'ils sont et de ne plus avoir honte de ce qu'ils sont. Alors je les trouve beau aussi, moi, les regards, les larmes, les merci de ceux que je peux rencontrer, que j'accompagne, quand ils me disent que ça y est, en fait ça, ils savent qu'ils n'en veulent plus, qu'ils savent maintenant ce qu'ils veulent, et quand ils disent comment ils sont défendus. J'ai encore l'impression de la remplir un peu ma mission, d'être loyale aux valeurs d'où je viens, aux valeurs que mon père m'a transmises.
Alors en 2018, j'ai fait un bilan de compétences hein, dans ces années d'errement, de qu'est-ce que je fais, machin. J'ai fait un bilan de compétences où il y avait le... J'ai fait le test Herman. Le test Herman, c'est un test qui permet de voir un peu comment tu fonctionnes, quoi. Est-ce que tu es plutôt cerveau droit, cerveau gauche, ou plutôt du côté artistique, tu es plutôt scientifique, tu es plutôt ingénieur, machin. Et alors, au moment de l'analyse de ce test, la Michelle, il me dit « Oh non, mais vous, c'est pas compliqué, vous êtes une pelleteuse de nuages. » Ben, ça vous dirait pas, vous aussi, d'être des pelleteurs de nuages. Ben, qu'est-ce qu'on attend? Et si maintenant, on l'assumait, cette beauté de nos failles, pour construire ensemble un autre possible que la domination des puissants et des néolibéraux? Et si notre interdépendance, elle devenait notre force et plus une faiblesse qu'on pointe? Et si aujourd'hui on construisait ensemble le travail autour de l'humain et plus au détriment de l'humain? Et si on s'y mettait pour que le travail, ça soit la santé? Puis si maintenant, ben, on dansait?